Moi, j'ai un défaut, je dis tout. Ou tu m'aimes, ou tu ne m'aimes hein, pas. Il n'y a pas de milieu. Donne-moi la main que je parle maintenant. Voici quelques manifestations du feu étranger aujourd'hui dans l'église. Les musiciens chrétiens ressemblent à des mondains. Des clips, des chrétiens. Si tu fais mute, tu enlèves la chanson, tu croirais des païens. Oui, musiciens chrétiens, si on enlève la musique Jésus, Jésus, et on suit ton clip, est-ce que c'est différent de Beyoncé? Des musiciennes chrétiennes, elle est en train de faire son clip, mais elle veut nous séduire. Qu'est-ce que vous avez à vouloir séduire les gens à être sexy dans les clips? Parce que vous regardez trop Beyoncé et vous nous amenez Beyoncé dans l'église. C'est ça la vérité. Vos habits bizarres, vos coiffures bizarres, vos danses bizarres, vos tout bizarre. Il n'y a que Jésus, 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 mais rien de Jésus là-bas. Oh, je parle à moi. Même si vous avez du succès, c'est la vérité. Si les frères de l'église commencent à s'habiller comme vous, on aura quel genre d'église? Ah, donne-moi la main, hein. Et on dit quoi? C'est pour gagner le monde. Qui vous a dit qu'il faut pécher pour pécher les païens? Qui vous a dit qu'il faut ressembler aux païens pour les sauver? Depuis quand il faut devenir ténèbres pour sauver les païens? Des clips érotiques, mais chrétiens. Où dedans, il n'y a rien de Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. C'est toi, 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 et toi, toi, toi. Pourquoi? Parce que tu suis trop les clips de Michael Jackson. Pourquoi, chères sœurs, il suffit que vous ayez le succès dans la musique, vous devenez sensuel. Pourquoi vous faites ça? Et quand même vous faites le featuring, pourquoi vous vous regardez comme si vous êtes ensemble alors que vous n'êtes pas ensemble? Pourquoi vous flirtez pendant que vous faites le featuring? Parce que vous regardez trop la musique mondaine. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est vraiment le Saint-Esprit qui vous dit ça? Feu étranger. C'est pourquoi les gens ne se convertissent pas. Un mois après, on oublie la chanson. Ça n'engendre pas des disciples de Jésus, seulement des vues. Et souvent ceux qui regardent, des païens. L'impact d'une chanson, ce ne sont pas les vues sur YouTube. Ça convertit qui? Ça change qui? Qui prie avec dans ces moments de retraite? Qui prie avec dans ces moments de retraite? Qui va avec dans son téléphone pour prier sur une montagne? Ça brille et ça brille, mais il n'y a rien de Dieu dedans. Tout est beau, mais Dieu n'est pas dedans. Le feu étranger dans l'église se révèle par la mode maintenant dans l'église. Surtout chez les femmes. Oui, mes sœurs. Est-ce que vous vous habillez comme Jésus aimerait que vous vous habillez? Est-ce que vous vous habillez comme Paul aimerait que vous vous habillez? Tu suis des sœurs. Là où elles vont, tu penses qu'elles vont dans un concert? Non, elles entrent à Philadelphie, elles entrent à la compassion. Est-ce que tu peux venir te tenir ici, ma sœur? Ici, 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 tu peux te tenir ici. Vous vous habillez bien quand vous êtes à la chorale. Les habits de la chorale. Mais il y a les habits de la maison et surtout les habits de la fête. Les habits de la fête. C'est pourquoi moi je ne vais plus dans les fêtes des chrétiens. Mais oui, comment nous pouvons être des chrétiens? Mais quand on va dans des fêtes, nous sommes comme des prostituées. Comment des chrétiens peuvent se bien comme des prostituées au nom de la fête? Donc dans la fête, Jésus n'est pas là. Feu étranger, mondanité, conformisme, plaire au monde, être comme tout le monde. Non, nous avons enseigné que ce qu'on commis chrétien, au Bethélie, tout
toujours à la page, toujours oyebimi yolati, oyebimi oratete, borata kamakambo pe misusu. Dis à la soeur qui est à côté de toi, ratakape. Donne-moi la main. Dis à ton voisin, ratakape, ratakape. Toi, tu es devenu un mannequin en plastique qui porte tout. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Donne-moi la main. Hein? Que le monde monte ou descende. Un chrétien s'habille avec décence. Une chrétienne s'habille avec décence. Je m'en fous de la mode sexy. Je m'en fous de moi. Je m'en fous. Excès de make-up au point où on ne connaît pas ton vrai visage. Excès de make-up. Mais oui, ça c'est le monde dans l'église. Surtout vous qui êtes célibataire, frère, bon fond la misoua, bimela yena tongo. Avant tia yango poye bobali, nani. Po oyo na oyo, ezoko kanate mikoloyo. Photo ya Instagram na yo, ezoko kanate. Donne-moi la main, hein. Je ne suis pas contre le maquillage, mais il faut mettre avec dose. Ça ne doit pas te transformer, ça doit te révéler. Donne-moi la main, hein. Le mensonge à la chair. Prêcher et mentir le peuple de Dieu. Oh, je suis allé prêcher quelque part. Il y a eu 10 paralytiques qui ont marché. Personne n'a marché. Oh, nous sommes à 100 000 personnes dans l'église. Vous avez 10 000 chaises. Bamé manaka. Comment nous, aujourd'hui, les chrétiens, on devient des menteurs, même du nombre de fidèles. Nous étions à 100 000. Ton église ne peut contenir que 6 000 places. On regarde la taille de l'église et le stade des martyrs et Kokanité. Mais vous êtes à 100 000. Comment? La chair, le feu étranger. On pense que les gens se convertissent parce qu'on est nombreux à l'église. On se convertit parce qu'il y a la parole et la présence de Dieu. Ce n'est pas la foule qui convertit, c'est la parole et le Saint-Esprit qui convertit. Donne-moi la main, hein. Arrêtez de mentir à la chair. À la chair, on dit la vérité et on prêche la vérité. Si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Reste seulement dans la Bible. On exagère tout. Et je vous assure, j'ai connu ça dans ma vie chrétienne. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, dans notre église, on témoignait. Et on nous donnait le micro. Qui va témoigner? Et on témoignait. Et un jour, je suis venu. Et j'ai dit, j'ai quelque chose à dire. Et j'ai dit, je bénis Dieu parce qu'à l'université, j'ai prêché. Il y a eu beaucoup l'onction agi. Plusieurs, dites plusieurs. Les gens qui parlent toujours avec des superlatifs. C'était grave, c'était waouh. Waouh, waouh. Toi, tu ne dis jamais rien simplement. Comment était le culte d'aujourd'hui? Extraordinairement, extraordinairement. Donc, pourquoi tu ne dis jamais les choses simplement? Et puis, j'ai exagéré dans mon témoignage. Je finis de témoigner, je vais m'asseoir en bas. Dieu me dit, menteur. Je dis, menteur. Je dis, Mais j'ai témoigné, oui, tu as ajouté. Il n'y avait que 3 personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Pourquoi tu n'as pas dit 3? Tu as dit plusieurs pour donner l'impression que c'était 100. Dieu juge les intentions. Frères et sœurs. Et puis Dieu m'a dit, tu montes encore et tu vas dire la vérité. Je dis, jamais. Esprit de condamnation, de culpabilité, je te lis. Comme toi, tu lis le Saint-Esprit, quand il t'amène à te repentir, tu lis le Saint-Esprit. Et après ça, je ne me suis pas repenti. Je suis allé voir un ami. J'ai dit, frère, j'ai témoigné à l'église et j'ai exagéré. Il y a une voix, je n'ai pas dit le Saint-Esprit. Hein. Il y a une voix qui me parle, qui me dit que je dois passer devant pour demander pardon. Il dit, non, c'est l'esprit de culpabilité. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et quand il part, Dieu me dit, ce n'est pas moi qui ai parlé. Moi, je te dis, tu rentres là où tu as menti, tu dis la vérité. Et j'ai résisté comme ça pendant des mois. Je priais à Lemba. Je suis allé en vacances à la cité Mambutu. Et j'en ai profité pour aller prier à la borne. Et un dimanche, je vais à l'église. C'était Papa Loufika qui prêchait. Qui connaissent Papa Loufika? Et il monte en chair.
thème, le feu étranger. J'ai dit aujourd'hui, ce sera l'onction. Aujourd'hui, nous tous, on est par terre ici. Et il commence à dire, il y a des gens, quand ils témoignent, ils ajoutent, ils mentent. J'ai dit, oh Dieu, tu m'as suivi jusqu'ici. Venez devant vous repentir. Et je regarde, il y avait des centaines de menteurs. Et je suis entré parmi les menteurs. On était nombreux. Et j'ai commencé à confesser. Dieu m'a dit, tu n'as pas menti dans cette église. Tu rentres dans votre église et c'est là-bas que tu vas arranger. Frères et sœurs, je n'avais plus la paix. Et puis j'ai dit, ok, j'irai. Et je suis allé à l'église. J'ai dit au modérateur, j'ai quelque chose à dire. Et il m'a dit quoi? Ah Marcelo, tu as un témoignage, une prophétie. J'ai dit, pas de prophétie ni de témoignage. Il y a des mois et des mois, j'avais menti. J'ai dit, Marcelo, tu as menti sur quoi? J'ai dit que Dieu m'avait utilisé puissamment, mais c'était seulement 3 personnes. Oh, mais c'est pas grave, plusieurs mentent ici, plusieurs mentent que les aveugles ont vu, n'ont pas vu. Pourquoi tu veux te déranger comme ça? Frère, quand Dieu veut te travailler, n'écoute personne. Et Dieu me dit, malgré ça, tu vas demander pardon. Et il me donne la parole. Je rappelle à l'église, et quand j'ai demandé pardon, tous ceux qui me respectaient ont arrêté de me respecter. Ils me disaient, Marcelo n'aurait pas cru ça, quoi. Frère, heureusement que moi je m'asseyais devant, parce que si c'était derrière, ça allait être très loin. Quand j'ai fini seulement de demander pardon, je me suis assis devant et je sentais tous les regards sur ma nuque. Et puis j'ai dit, Dieu, dans cette église, je ne parlerai plus, c'est fini. Et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, comme tu t'es humilié dans cette église, je t'élèverai. Frère, aujourd'hui, je suis la fierté de mon pasteur. Aujourd'hui, je suis la fierté de mon pasteur. Et vous savez ce que ça fait dans ma vie? Je veille quand je parle à la chair de dire la vérité. Pourquoi? Combien de fois tu as donné un faux témoignage à l'église? Je bénis Dieu, j'ai eu le travail, mais tu sais que tu as donné ton corps pour l'avoir. Ça, tu ne nous as pas dit. Fais étranger. Oh, je bénis Dieu, Dieu m'a donné une voiture, mais toi-même, tu sais que tu l'as volée. Fais étranger. Merci Dieu pour mon visa. Alors que tu as menti qu'on veut te tuer au Congo, alors que tu ne fais pas la politique. Hein? Fais étranger. Combien de témoignages tu as qui sont faux? Il y a du mensonge, de la tricherie et de l'escroquerie. Tu te prostitues, tu deviens riche. Je rends grâce à Dieu, il m'a béni. C'est Dieu qui t'a béni, fais étranger. Je bénis Dieu, j'ai eu ma grande distinction. Tu as donné ton corps, fais étranger. Je rends grâce à Dieu, je suis arrivé aux États-Unis. Comment? Avec un nom changé. Fais étranger, fais étranger, fais étranger. Alléluia. Le fait étranger, mes frères, c'est quand nous servons Dieu avec rivalité et compétition. C'est pourquoi moi je ne prêche plus dans les conventions où il y a l'esprit de rivalité et de compétition. Nous ne venons pas nous battre à la chair, nous venons nous compléter à la chair. Je ne prêche pas pour prêcher plus que celui qui a prêché le matin ou celui qui a prêché hier. Je viens seulement être fidèle à mon appel et à mon ministère. Je ne suis pas venu prêcher pour avoir 10 sur 10 et que vous puissiez me coter comme étant le meilleur prédicateur de Bunda. Ce n'est pas mon but. Donne-moi la main, je vais te parler. Hein. Toi, pourquoi tu veux être un grand homme de Dieu? Pourquoi tu veux être le premier? Frère, on ne connaîtra jamais le premier. C'est au ciel qu'on connaîtra le premier. Il se peut même que le premier, il est à Popocabaca, à Ngandajika là-bas. Il n'a pas Facebook, il n'a pas YouTube, mais c'est le premier. J'ai été dans des rendez-vous des choristes. Les choristes chantent. Quand ils partent, ils dérèglent toute la sonorisation pour que les autres chantent mal. La sorcellerie. La sorcellerie. Tu as l'esprit de receveur. Tu es content que Bissa Moning est sans appui au récupéré. Alléluia, oui. Dis à ton voisin, je prie que Dieu t'élève plus que moi. Dis bien, je prie que Dieu t'élève plus que moi. Alléluia. Quittez la rivalité, la compétition. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Mes pieds ne tiennent pas le micro. Mais c'est grâce à mes pieds que je suis debout. Alléluia. Mon cerveau ne tient pas le micro. Mais la prédication qui sort dans le micro vient du cerveau. De tout mon cœur, je prie que vous puissiez
finir votre temple. Mais il y a des hommes de Dieu. Moninga Sisi temple. Oh là là, Sisi temple. Comment tu peux avoir des cauchemars parce qu'un temple est fini? Tu es sorcier. Comment tu peux avoir des cauchemars parce qu'une église grandit? Tu es magicien? Comment tu peux être mal à l'aise que l'autre prêche bien? Tu es sorcier? Tu veux que je prêche mal pour que quand ce sera ton tour, qu'on sente la profondissime profondeur de la profondeur. Quittez la rivalité. Vivez dans l'amour, servez dans l'amour. Nous sommes une même équipe. Nous sommes une famille. Nous sommes une armée. Nous sommes une équipe. Nous sommes une armée. Nous sommes une famille. Alléluia. Malgré les noms que portent nos églises s'appellent Corps du Christ. Ici, je suis dans Corps du Christ, Philadelphie. Compassion, Corps du Christ. Hein? Maintenant, c'est comme si le Jésus de la borne, c'est un autre Jésus. Le Jésus de Philadelphie, un autre Jésus. Le Jésus de compassion, un autre Jésus. C'est le même Jésus. Tu es béni, je suis béni. Tu as mal, j'ai mal. Pourquoi? C'est le corps. Et je vous dis, au nom de la rivalité, moi j'ai fait des choses terribles, mes frères. Terribles, terribles. Je bénis Dieu. J'ai été connu sur YouTube alors que j'avais tout fini. Parce qu'il fut un temps, mes frères, on était des fous de l'onction. C'est-à-dire, je te prophétise pour que tu croies que c'est Dieu. Je tombe moi-même. Ce n'est pas que Dieu me fait tomber. Moi-même, c'est moi, je tombe. Pour te dire que ça m'a cassé. Yozo salangoti lelo. Donne-moi l'amen. Les jeunes prédicateurs, vous êtes là? Si un jour tu allais prêcher quelque part, l'autre a prêché ta prédication et le verset. Si tu as changé de prédication, c'est le fait étranger. Parce que si Dieu fait que quelqu'un prêche ce que tu vas prêcher, donc il te confirme que ta prédication vient de lui. Mais toi directement, tu commences la méditation. Feu étranger. Alléluia. Si on prêche ta prédication, prêche-la toi aussi et confirme ce que l'autre a dit, parce que nous ne prêchons pas pour dire des choses nouvelles, mais pour être fidèles à ce que Dieu a donné. Amen.